Je suis Laurence Andréini, metteur en scène de la compagnie Le Théâtre Amazone, qui est basée à la fois à La Rochelle et à Saint-Martin-de-Ré, double siège social. J'ai commencé avec des lectures performances, c'était au mois de juin, un peu décalé cette année, hein, d'habitude c'est le mois de mai. Et puis on est allé reprendre pièces montées justement avec les figures du couple au travail, qui est l'objet de ce stage-là qui va commencer, qui a commencé aujourd'hui, où avec les stagiaires, on explore les scènes qui ont été choisies pour ce spectacle nommé la pièce montée. C'est-à-dire qu'on a une scène de l'amant de Pinter, donc un couple d'âge mûr qui pour s'émoustiller s'invente l'histoire de l'amant et de la maîtresse en étant mari et femme, un extrait de Maison de poupée où elle dit c'est une pièce qui a été interdite à l'époque, 1870, hein. Une bonne partie de Qui a peur de Virginia Woolf, très connue, hein. Parce que le couple mythique hollywoodien, Elizabeth Taylor et Richard Burton, plusieurs finalement dans cette carte du tendre, plusieurs siècles, huit stagiaires qui vont se frotter à des écritures très différentes les unes des autres pour mettre en jeu le couple. En bref, on a la dernière scène de La Noche et les petits bourgeois. Et où fatigué, rinté, il est 4-5 heures du matin, il y a eu l'alcool aidant, l'usure aussi, les deux familles qui se rencontrent, ça s'est bien frotté là aussi. Et ils vont jouer à plusieurs le personnage du marié, à plusieurs le personnage de la mariée. Voilà. Donc tu lèves la croupe jusqu'à en faire craquer les meilleures chaises. Vraiment, je la retiens, ton amie. Et moi, je le retiens, ton chanteur. Au diable, tes mots qui ne sont même pas vernis. Parce que tu disais, peu importe l'apparence, l'essentiel, c'est qu'ils tiennent le coup et soient confortables. On a perdu 5 mois à attendre qu'ils soient prêts. Si bien que maintenant, on remarque. Cette saloperie, cette canoulotte, ce travail bâclé. Tu vois, ça va de 82 ans à 20 ans. C'est égal. Donc c'est transgénérationnel. Il y a trois générations. Voilà. Alors, mardi 31 août à 19h30, il y a la lecture performance du neveu de Rameau. Dans le rôle du neveu de Rameau, le grand Yves Pignot. Et dans le rôle de moi, le philosophe Diderot, Luc Clémentin. Je ne vais pas raconter le neveu de Rameau, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un texte fondateur du siècle des Lumières, qui est ultra moderne aujourd'hui, puisque la question posée est celle de la vérité et du mensonge. Où en sommes-nous de la vérité et ce que l'on nous raconte surtout? Comment faisons-nous le tri avec tout ce que nous recevons comme information? Comme toutes les lectures spectacles qu'on monte au fort, elles durent entre 1h et 1h20. Pas plus longtemps, parce que c'est quand même une lecture avec texte à la main. Deux magnifiques acteurs, Pignot, hein, qui a été à la Comédie Française longtemps. Aujourd'hui, qu'on retrouve sur M6, tu sais, en famille, qui a été aussi comédien dans des grands films. Et Luc. Il y a une histoire qui s'écrit depuis 4 ans. Ouais. Et qui se développe parce qu'en fait, depuis 2018, avec Sonia Le Seigle, la responsable du fort, nous sommes allés voir le maire de la commune de la Flotte. Et depuis l'année dernière, Jean-Paul Héraudeau est en commande de cette commune. Il est complètement OK pour que ce fort devienne un site en scène. Et donc en 2022, nous aurions la possibilité de pouvoir mettre le théâtre à l'honneur dans le fort, avec la complicité du CNOSAP, propriétaire du fort, et son président Emmanuel Giraud, qui est complètement avec ce projet, quoi.